café? Tu veux boire le café? Tu t'arrêtes? 5 minutes. Les gilets jaunes ralentissent la circulation. Les manifestants proposent aux transporteurs de s'arrêter le temps d'un café pour soutenir le mouvement. Merci bien. Je me suis arrêté par solidarité, quoi, pour avec les copains. Parce que bon, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Hein. Mardi, le président de la République prendra la parole afin de répondre à la colère des gilets jaunes. Mais ces derniers restent plus que sceptiques. J'attends pas grand-chose encore pour demain. Éventuellement, il va peut-être proposer une gelle. Mais nous, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Nous, on veut que les taxes sur tout type de taxes baissent. Parce qu'on en a, on peut plus payer les taxes. S'ils gèlent, ça n'arrangera rien du tout. Ça sera que reporter le problème parce qu'ils vont certainement réaugmenter plus tard. Pour moi, il aurait dû venir samedi et calmer un peu les choses. Se dire, bon, bah, écoutez, les Français, on va essayer de discuter ensemble. Pour moi, tout ce qu'il dit, de toute façon, c'est des mensonges. C'est juste pour obtenir ce que lui veut. Donc nous, tant qu'on n'aura pas obtenu ce que nous, on veut, on continuera. Accompagnés par les forces de l'ordre, c'est dans le calme et la bonne entente que les gilets jaunes continueront de manifester sur le secteur de Rives et de Beaucroissant.